Oh, c'est sûr, il y en a un. C'est sûr, il y en a un. C'est sûr, il y en a un. Non, frère. Non. Non, si c'est un, non, si c'est un Titanic, frère, la vie de la mer. Dans cette vidéo, il y a deux pets incroyables à gagner. Et les gars, c'est les nouveaux pets de l'œuf Bejeweled qu'on va ouvrir dans cette vidéo. En plus, je vais en ouvrir la masse. Et du coup, parmi tous mes petits œufs, je vais vous faire gagner les deux là. Donc, le petit renard bizarre et la petite licorne. Le cerf, il vaut 3 millions de gemmes, parce que ouais, c'est pas un renard ou je sais pas quoi. Et la licorne, elle vaut 2,1 millions de gemmes. Et pour participer, les gars, c'est très très simple. Vous me dites votre pseudo Roblox et lequel des deux vous voulez gagner. Bonne chance à tous. Dans la dernière vidéo, il y avait des pets, des backrooms à gagner. Et parmi tous les commentaires, on va tirer au sort le vainqueur. Du coup, c'est parti. On rentre l'URL de la vidéo YouTube. On fait Select Random Comment et Maurice Gomez. Son meilleur œuf, c'est 75 et pseudo Maurice Gomez Apagnan. Purée, c'est trop bien. Je suis trop content que ce soit lui qui gagne, les gars. Parce que Apagnan, c'était un message secret. Et il y a, je crois, 2 ou 3 abonnés qui ont réussi à repérer le message secret. C'est encore mieux que tu gagnes, Maurice. C'est 100% mérité. Du coup, c'est parti. On va envoyer le petit cadeau à Maurice. Du coup, le Blue Cat qui vaut 5 millions de gemmes. C'est énorme quand même pour un pet exclusif. GG, tu as gagné. Et GG pour le message secret. Hop, envoyé. Oui, êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. Et tadam, cadeau envoyé. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux, comme des iPeg, des exclusifs, etc. Et si vous aussi, vous voulez participer ou m'aider pour les vidéos, n'hésitez pas en écrivant Prince END. Merci énormément à tous ceux qui se sont follow à ma chaîne Twitch. Je vous rappelle que je suis en live tous les soirs à 20h30. Mais vraiment tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et du coup, on rush maintenant les 200 abonnés. Et je vous rappelle que je fais des lives Roblox le mercredi et le samedi, comme les vidéos. Mais cette fois-ci à 20h30. Donc n'hésitez pas à aller me follow, les gars. Ça me donne de la force. Surtout si vous n'êtes pas uniquement là pour Roblox. Bonne vidéo. Yo 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 tout le monde. C'est parti pour la mise à jour. Je me suis un peu renseigné sur le site de Big Game et du coup ça va être la partie 2 des backrooms comme je l'avais prévu, prédit en tout cas, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Et donc on aura en gros le même bâtiment en gris, et ça va être les deep backrooms, donc les backrooms un peu dark, un peu kakubaka. Merci pour le cadeau BG. Oh, let's go, ça relance. 2 minutes où ça ne relançait pas. Ça va, ils ont été assez rapides. Bon, on peut voir que l'icône du jeu est un peu buggée. C'est pas celle-là normalement. Je l'ai mis en post communautaire sur YouTube si vous voulez regarder. Et skip, attention, c'est parti. OMG, Deep Backroom, Explore Underground, New Egg, New Pets, Limited Huge, Deep Backroom Key, Secret Boss Fight, Exclusive Overboard, Exclusive Boost, Forever Pack, etc. Ok, très stylé. Et bah c'est parti. Hop, on va directement aller là-bas. Oh, regardez, il y a un icône New. Trop stylé. Il y a un petit icône New. Du coup, ici on a quoi? Exclusif Bewe Gelled Egg. Ok, très stylé. Franchement, ceux-là ils sont vraiment stylés, les gars. On a le Huge Purple, le Huge Night Terror Cat et on a 3 nouveaux overboards. Et là on a une clé des backrooms. Hop, gratos. Oh non, c'est bugué. Ah si, c'est bon. Ok, là on a le Forever Pack aussi qui est toujours pareil. Donc là ils ont juste rajouté 2 Huge. Ok, et je crois qu'il y a aussi un Pet, les gars. Je crois que dans le Pax il y a aussi un Pet. Bon là on peut pas le voir tout de suite malheureusement. On a les overboards et après on a rien d'autre de nouveau. Ok. Et bah c'est parti du coup, let's go. Putain, là c'est vrai qu'on a ça, très stylé. Et bah du coup c'est parti, on va dans les backrooms. Let's go baby. On va poser nos pets ici et on va directement aller ici. Ah là on a un coffre. Oh stylé. Open pour 1.25 million. C'est parti, let's go. Bon, 1.25 million normalement les gars, tout le monde a assez, c'est pas très cher. Attends, je vais reprendre mes pets et je vais les poser là. Ouh. Attends mais les gars, c'est trop rigolo en vrai. Il y a l'air d'avoir plein de trucs. Est-ce que je prends le portail direct ou pas? C'est quoi, on le prend direct en vrai? Oh. Attends, il y a quoi là-bas? Il y a plein de trucs bizarres. Là, on a un giga coffre. En vrai, je vais essayer de le péter. Il doit y avoir plein de secrets. Et du coup, je pense qu'ils ont laissé les autres backrooms. Si j'ai pas de bêtises, ils ont laissé les autres backrooms. Mais c'est juste qu'il y en a des nouvelles, avec des nouvelles pièces. Donc pourquoi pas en vrai? D'ailleurs, j'ai aucune idée s'il y a des screamers. Je sais pas. D'ailleurs, regardez, il y a vos traces de pas derrière vous. Donc ça, c'est plutôt drôle. Mais ça. Oh! Il y a le boss. OMG. OMG, est-ce qu'il peut m'attaquer ou pas? C'est quoi ce boss fight de noob là? Je vais pas trop me rapprocher de lui les gars parce qu'on sait jamais. T'imagines, il me pète à la gueule. D'ailleurs, attendez. Ah mais j'ai l'impression qu'il me suit là. Alors attendez, je vais mettre des meilleurs enchantes pour le défoncer. Ah voilà, ça va plus vite comme ça. 75 luck dès le début? Mais non, je vais lui demander où ça. OMG, où ça? Il a trouvé un 9 x 75. Du coup ça c'est les nouveaux boss fight les gars. J'ai eu de la chance de le trouver assez vite en vrai. Donc en gros, waouh, les lumières s'éteignent et tout. Et donc on a une chance pour le Huge Night Terror 4. Ah, il y a même des coffres qui apparaissent. What the fuck? Attendez, je vais déjà péter les coffres sur les côtés. Dans la deep zone. Non mais j'ai bien compris que c'est dans la deep zone. J'ai bien compris. Avec un cadenas. Tu peux me guider.
Je vais demander qu'il me guide. Allez, allez, hop, hop, hop. En général, les gars, il faut vite faire les jeux avant la mise à jour. Enfin, dès que la mise à jour elle est sortie, il faut vite explorer. Parce que en général, eh bien, c'est à ce moment-là où t'as les meilleurs loot. Vous voyez que là, j'ai eu plein de mini-chests, des lucky blocks, enfin, j'ai eu plein de trucs cool. Donc comme ça, ça se trouve, je vais peut-être avoir le huge, et ça serait plutôt cool. Allez, 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 on pète ça, on pète ça, on pète ça. Bon, du coup, ils ont mis les trucs au max. Parce que là, on voit 1,07, c'est plutôt cool. Je suis sous la map. Oh non, le pauvre, il est sous la map. Un peu triste. Allez, allez, allez. Oh, un Titanic en France. Trop bien. Il y a un Français qui l'a eu. Ça se trouve, c'est un abonné, les gars. Si vous avez eu le Titanic, n'hésitez pas à me le dire. Je peux même faire une petite vidéo avec un abonné. OMG, mon deuxième Titanic. Trop stylé. Je peux plus me téléporter. Oh non, le pauvre. Le pauvre, il est bugué. Hop. Ok, on a eu des boosts. Eh les gars, si vous voulez des bons items, en vrai, venez faire le boss. Regardez les items de fou. On a des mini chests. On a des trucs plutôt cool. Attends, par contre, mes pets, ils veulent pas venir. Allez, 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 allez. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ok, on a eu quoi? Des boosts, des lucky blocks. Eh, je vous jure, en vrai, les loots sont pas dégueux. Les loots sont pas dégueux. Pas de huge pour l'instant. Oh, on a eu un lighting charm. Pas mal en vrai. Pas mal. Allez, 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 plus vite, plus vite, plus vite. Je me demande si mes pets ils ont des PV. Non, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Est-ce que j'ai eu le huge d'ailleurs? Non, je l'ai pas eu pour l'instant. Je vais mettre des petites potions, vous savez quoi? On va se mettre plein de potions bizarres. Bam, bam, bam. Parfait. Je sais pas si les potions elles marchent dans l'event. Allez, allez, casse-le, casse, 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 casse. Putain, le boss est très long. Ah, il m'attaque! Ah, les coffres qui respawn. Go, 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 go. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ok, nice. Faudrait que je change mes enchants d'ailleurs, parce que j'ai envie de mettre... déjà, shiny, je peux l'enlever. Parce que j'ai pas de truc shiny, là, pour l'instant. J'ai pas mis de pets shiny. Increase les pets les meilleurs, ok. Et c'est quoi que j'ai mis en dernier? Les chest breakers, ouais. Bon, on va laisser ça, en vrai. C'est plutôt drôle. Allez, allez, pète-le, pète, 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 pète. Putain, les gars, mais c'est long de ouf, par contre. Ah, d'ailleurs, je pense que je peux enlever les orbes. Ça marche pas, vu que c'est pas un... Ouais, ça marche pas. Allez, allez, allez. D'ailleurs, les niveaux, les gars, je les farmerai, je pense, au monde 3. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de nouveau niveau, je crois. Donc, je le ferai au monde 3. Allez, le boss, on y est presque. Je me demande si on peut avoir le huge en tuant le boss ou en tuant les gros coffres à côté. Allez, 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 allez. 5000 PV. Allez, 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 on peut le faire, on peut le faire. En plus, il a un icône Titanic. Allez, 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 allez. Le huge, allez, 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 allez. Non, je suis dégoûté. Et il respawn dans 15 minutes. Ok, bon, dommage. Ah, attends, je peux laisser mes pets ici, vous pensez? En vrai, c'est une bonne idée, regarde. Je les laisse là. Dès que le boss y réapparaît, il les défonce. Ok, bref. On va continuer de se balader. On peut toujours pas avoir l'overboard, c'est un peu triste. Putain, par contre, je suis très stylé avec mes trois petites orbes là qui me suivent. Ok, on a un œuf juste là. Un x3 de chance. On va en ouvrir un petit peu pour débloquer les nouveaux pets. Parce que j'ai vu qu'il y a des nouveaux pets. Il y a un chien, il y a un lapin violet. Allez, j'aimerais bien avoir le lapin violet, ce serait cool. Et nice, on l'a eu. Under Bunny. Très stylé en vrai. Hop, on récupère une petite potion, niveau max. Putain, il y a plein de gens qui hatchent le Titanic en vrai. Ah! C'est quoi ce niveau de fou? Ah ouais, les plateformes elles disparaissent et tout. Attends, par contre, mes orbes, je vous le promets, elles sont trop belles. Je trouve ça trop stylé. Je les utilise même pas pour faire des dégâts. Mais juste parce qu'elles sont stylées. En tout cas, bref, moi je vais continuer de me balader. Et puis on va voir si on trouve des trucs cool. Là, on a quoi? On a un petit œuf aussi. 3x de chance, ouais. Ok, pourquoi pas. Je me demande si le glitch du l'overboard il marche. Parce que dans les premières backrooms, j'ai jamais réussi le glitch, moi. Il y a plein de gens qui avaient réussi, moi j'avais jamais réussi. Là, on a un œuf là-bas. Elles ont l'air un peu bizarres ces backrooms, les gars. Elles ont l'air un peu bizarres. Ok, là on a une zone pour farmer, j'ai l'impression. Avec plein de pièces bizarres. Oh, ma première porte. Allez, un x100, s'il vous plaît. Nice! Oh, let's go! OMG, allez hop, ça farm direct. Hop, je mets tout, boum, c'est parti. Il y a des nouveaux pets, il y a le singe, ok. On a une undergoat mais noire. Et on a un plaque dragon mais pas dragon quoi. Oh trop bien. Bon bah les gars, c'est parti. On va essayer d'hatch le huge. Est-ce que ça dure une heure ou pas? Attends, je vais regarder, bougez pas. Est-ce que ça dure une heure? Non, on dirait que c'est infini. What? Ah, c'est peut-être un bug, mais pour l'instant, on dirait que les œufs sont infinis, les gars. What the fuck? Bah, si c'est infini, moi, ça me va, hein. Ça veut dire que je reste là toute la nuit. Il n'y a pas de souci. x100 en plus. Bon, bah, les gars, vous savez quoi? On se retrouve dans une heure, si jamais ça se finit dans une heure. Et si jamais l'œuf, il est infini, et bah, on se retrouvera bien plus tard. Ok, les gars, je suis actuellement en train de farm AFK les œufs x15.
Et donc on va s'ouvrir un petit peu le Forever Pack des Backrooms. Alors je vous promets que je ne vais pas en ouvrir la masse, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Mais on va en ouvrir quand même au moins, je dirais, 6 ou 7 paliers les gars. Donc c'est déjà pas mal. Et si on peut avoir des trucs bien dès les premiers paliers, je dis pas non. Allez, c'est parti. Bon, on a des clés. Mais bon, les clés, ça m'intéresse pas trop, j'en ai déjà plein. Parce que j'ai beaucoup farmé, donc ça me va. Ok, on continue. On va pas acheter les paliers qui sont trop chers, je pense. Parce que sinon, après, on va se faire un peu arnaque. Allez, s'il vous plaît, là. Pour l'instant, il n'y a pas des trucs de ouf. Oh, les gars, pour l'instant, c'est bien nul. J'espère que je vais pas faire tout ça pour rien. Je veux au moins un truc cool. Allez, là, quand même. Nul. 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 Oh, purée. Ça fait peur, quand même, ce petit pack. Le backroom pack, c'est plutôt le éclaté pack. Ok, on continue. Nul. 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 Bon, on a l'enchant des orbes. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà, je l'ai déjà. Mais on voit, je crois, à droite, l'enchant noir. Et l'enchant noir, je ne l'ai pas. Il me semble que je ne l'ai pas. On a deux œufs aussi. Ok. Ils ont baissé un peu en prix. On a quoi d'autre? Ouais, des trucs pourris. Ici, on a quoi? Du coup, 650 pour ce joli petit, petit truc. Je l'avais pas en vrai, l'enchante, donc c'est cool. Par contre, on a qu'un seul œuf. Ça, c'est un peu des radins. Et là, après, pour 800, on a 4 œufs. Ok, bah bougez pas. Ok, les gars, je suis de retour. J'ai un petit peu pigeonné. Et donc, c'est parti pour acheter, hop, ce joli petit œuf. Au moins, on en a 4. C'est cool, en vrai. Et j'espère qu'on n'a rien derrière, parce que sinon, après, imaginez, on a un huge de fou. Je vais devoir pigeonner de Bayzei. Ok, des tickets et des drapeaux. Et derrière, on a pour 900, 2 œufs. Ouais, c'est un peu rentable. Un overboard, mais celui-là, je l'ai obtenu dans le nouveau boss. Et l'ultimate, bon, je l'ai acheté la dernière fois, ceux qui se rappellent. Ok, bon, bah, les gars, on va sortir d'ici. Hop, et on va s'ouvrir directement. Boum, les petits œufs. Allez, c'est parti. C'était ma bonne chance. On va récupérer aussi des petits cadeaux. Deuxième petit cadeau, et lâchez un like sur la vidéo. Merci. Petit cadeau, abonnez-vous. Merci encore, Momo. Cadeau, merci, Thomas. Ajoute-moi, Zizou. Je te donnerai un truc pour faire gagner aux abos. Mais tu peux directement m'envoyer dans la boîte aux lettres si tu veux. Et encore des pets. Merci à tous, les gars. Hop, et on va s'ouvrir directement tous nos œufs. C'est parti. J'ai failli en ouvrir x7, mais non, on va pas abuser. On va ouvrir un par un. Et on a eu Bejeweled Licorne. Je crois que c'est la pire celle-là, non? Je crois que c'est la pire, attendez. On va vérifier ensemble. Ouais. Il nous faudrait le lion. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. En vrai, ça serait vraiment beau que j'ai mon premier huge, les gars. Ok, on a eu le deer. Allez, là. Allez, s'il vous plaît. C'est quand même 1,5% en vrai. C'est pas non plus le truc le plus rare de la Terre. Allez, s'il vous plaît. Il me faut mon premier huge, moi. Parce que vous savez que je n'ai jamais eu de huge dans les œufs, les gars. J'en ai jamais eu. Et c'est vraiment très triste. Allez, 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 allez. Purée, les gars, je crois que je vais encore me faire arnaquer par Roblox. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre. Ok, on continue. On n'abandonne pas, on n'abandonne pas. Même si on a des trucs pourris. Allez, oh mec, les gars, je suis dégoûté. Aïe, 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 il en reste deux. Il en reste deux, c'est parti. S'il vous plaît. Allez, Roblox. Oh, Rainbow. Ah, mais c'est la licorne en plus, c'est la pire. Éclaté, éclaté, les gars. On va voir le prix, mais je pense qu'elle est pourrie. Il est où? Il est là. 13 millions, ouais, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Et le dernier, c'est parti. Allez, s'il te plaît. Juste un petit huge. Et ouais, bah ouais, c'était sûr. Bon bah les gars, dommage. Dommage, dommage, dommage. Rip, rip, rip. Wesh, mais il en a 500 ou quoi? Mais regarde, il a toujours les 3. Il a toujours les 3 différents. C'est parce que je pense, Emilien, faut que tu en ouvres 8 en fait. Je pense qu'il faut que tu en ouvres 8 pour avoir le huge. Parce que là, quand tu ouvres 3, c'est toujours les 3 mêmes. Ok, ok. Nul. Oh, c'est sûr, il y en a un. C'est sûr, il y en a un. C'est sûr, il y en a un. Non, frère.
Non, si c'est un, non, si c'est un Titanic, frère, la vie de la mer. Arrête, arrête. Oh, j'ai eu trop peur. Oh, oh mec, j'ai cru que c'était un Titanic. Il a eu lequel? Bah, il a eu le moins rare, mais c'est quand même un huge. Putain, frère, waouh. Oh, j'ai vraiment cru que c'était un Titanic. Putain, mais il a trop de chance. Ok les gars, malheureusement, je n'ai pas activé mon micro quand j'ai pack le huge. Alors en gros, pour vous expliquer les gars, j'enregistre toutes mes vidéos avec OBS. Je pense que vous connaissez tous OBS les gars. C'est la meilleure application pour faire des vidéos et des lives sur PC. Et du coup, quand j'AFK des œufs pour les événements ou les active UJEG, eh bien je ne enregistre pas mon écran pendant 5 heures d'affilée par exemple avec OBS parce que sinon, bah, ça me ferait laguer de ouf. Du coup, ce que je fais, les gars, c'est que j'utilise Nvidia GeForce. Donc là, vous voyez, GeForce Experience. Et en gros, quand vous appuyez ici sur replay instantané, pardon, vous pouvez l'activer. Donc là, j'ai mis 2 minutes. Et en gros, ça va vous filmer votre écran en illimité. Mais le problème, c'est qu'au lieu d'enregistrer comme OBS une vidéo de 5 heures, eh bien, GeForce Experience, ça ne va pas vous enregistrer votre vidéo pendant 5 heures. Mais pendant 2 minutes, et donc comme c'était un micro voice changer qui était activé, ça n'a pas marché, et du coup bah ça n'a pas enregistré ma voix. Donc on va regarder ensemble ce qui s'est passé, mais bon malheureusement je n'ai pas eu de réaction. Donc là comme vous l'entendez, on entend Guillaume et Kim parce que j'étais en train de regarder leur vidéo de l'Eurovision je sais pas quoi, non Eurostar de la Coupe de l'Euro de je sais pas quoi, où ils ouvraient des cartes Panini, Tops, bref. Donc voilà, je regardais leur vidéo, et là... Tadam, je pack le Huge Night Terror 4. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'à gauche, on le voit dans le chat maintenant, donc c'est trop bien. J'étais avec Orange et avec Talcad, et j'ai hatch le exclusive Huge Night Terror 4. Et c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Du coup, bah voilà, mon petit bonhomme qui est là, sur le x50. Et d'ailleurs, les gars, j'ai plein d'anecdotes sur ce Huge. La première anecdote, c'est que j'ai galéré de fou pour l'avoir. J'ai fait des œufs 75, des fois 100, des fois 50, et j'ai trop galéré à l'avoir le huge. Donc je suis très content d'enfin l'avoir eu, même si il est que en normal. Deuxième anecdote, Orange il avait un peu le seum que je l'ai eu, mais c'est pas grave, il rigolait et tout, donc ça va. Troisième anecdote, dans le même serveur les gars, il y a un mec qui a pack le huge à peu près genre 20 minutes avant moi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. 20 minutes avant moi, un mec l'a pack. Je rejoins le serveur les gars. Un mec pack le huge. Et du coup, comment je le sais? Parce qu'il y avait écrit dans le chat, c'est la nouvelle mise à jour qui a fait ça. Et du coup, bah, j'étais dégoûté, je me suis dit non, il y a un mec qui l'a eu et tout. Quatrième anecdote, les gars, j'avais trouvé un x75, donc ce qui est beaucoup mieux que x50. Et les gars, le x75, à peine j'ouvre la porte, je m'installe sur le petit x75, et là, qu'est-ce qui se passe? Les serveurs qui redémarrent. J'avais trop le seum, les gars. Les serveurs, ils redémarrent à la seconde où je dépense ma clé pour un x75. Du coup, bah, j'étais dégoûté, ça m'a tout enlevé, et puis j'étais trop triste. Et une autre anecdote, Zernid a pack un huge shiny Terror 4 aujourd'hui, et Blouds a pack aussi un huge Terror 4 normal, je crois. Ça veut dire que, mec, tout le monde l'a packé, et même moi je l'ai packé. Donc, les gars, je pense qu'aujourd'hui c'est le jour de pack les huge, sachant qu'on est mercredi 15 où j'enregistre cette vidéo, mais à 2 h du mat. Donc, allez tous hatch des huge aujourd'hui. C'est le jour de chance, les gars.